Au cœur du Haut Atlas marocain, l'eau est une ressource rare. Depuis des siècles, les Berbères ont su s'adapter à cet environnement hostile, transformant des vallées arides en véritables oasis. L'arrivée de l'électricité a profondément amélioré les conditions de vie dans la région. Les villages se repeuplent, de nouvelles écoles ouvrent, mais l'eau commence à manquer. Les périodes de sécheresse s'allongent, le changement climatique est en cours. Rachid est guide et chef du village de Tizi. Sur le haut plateau du Yagour et dans les profonds canyons, il le sait, l'eau coule. Le développement de son village dépend de la bonne gestion de cette eau. Le défi qu'il s'est donné est de taille. Capter les sources alentour, épurer et réutiliser les eaux usées pour l'irrigation. Tous les habitants se mobilisent. Jeunes et anciens s'unissent autour de Rachid pour assurer l'avenir des générations futures. Les Berbères des Cimes deviennent maîtres de leur destin.